Bonjour, bonjour, c'est Aegon. Bienvenue dans ce live SOTOR 5 l'ombre de Draevan pour la planète Rishi. On compte privilèges. Parce que depuis aujourd'hui, je suis abonné à mes privilèges. On va voir ce que ça donne, la différence. On va voir si on continue à pouvoir gagner des levels, si on n'est pas bloqué. On va voir. Donc, on devait aller utiliser le dispositif de gestion de marquage. Et par contre, par là. Hein. Nos bêtes de guerre les plus puissantes nous ont été volées. La République, alliée présumée du cartel des Huttes, n'a pas bougé le petit doigt. Le secrétaire a besoin d'aide pour la récupérer. Ouais, on peut toujours prendre. Attends, c'est venu. Ah. C'est quoi comme... Que les lames Nova étaient vos ennemis. Bien. Ils m'ont volé quelque chose. Ouais. On verra si on est juste à côté en fait. Droïde chercheur, trouver des artefacts cachés à l'aide du droïde chercheur souterrain. Les objets de mission pour activer et avoir activé. Les zones à fouiller. Les objets de mission. Pas ce que vous cherchez en fouillant plusieurs fois la maison. Regarde. Il est là. Hein. Aux excavateurs. Je suppose que si je m'approche d'une zone. C'est pas une... C'est pas une zone ZL, ça, non. Pas une ZL. En tout cas... Les trois tueurs nous viennent des Ah non. profondeurs de la nébuleuse Spawn. Nos chamans ont désigné Rishi comme prochain terrain de chasse. Ouais, ça va aller, je pense. Au niveau graphisme et l'ambiance, c'est mieux que les planètes de départ. On va aller faire essayer de faire les quêtes annexes et puis après on... Je suis avec vous, maître.
On s'en prend plein le cul quand même. Donc ça sert à quoi les libérer s'ils t'attaquent en fait? Les objets volés, libérer les créatures, ils leur mettent. Ah, il faut leur mettre le collier, bah. Oups! Non? Pas censé leur mettre leur collier? Voilà, c'était ça, d'accord, c'était presque à la fin en fait. Diminuer sa vie, et puis après, hop. Ah si, eux aussi, il faut mettre son collier. Mais sur ceux capturés. Hein? Il a mettre. Ouais, non, il n'y a rien de. On a fait le tour.
va fermer le même, hein. Pas grave. Lol, et il disparaît. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il y a de l'autre. Non, pratiquement tout droit. Hein. Il y a quelque chose dans la zone. Ça serait par là. Calme pour l'instant. Ah.
Non, pour la voisine. Voilà, c'est derrière le rocher. Voilà, c'est là où je suis. Plus. Alors non, c'est. Fous de ma gueule. Là, c'était là, et maintenant c'est là. Tu te fous de moi le truc ou quoi? C'est quoi ça? Quoi ce truc là? Bon, ils sont censés avoir un truc dans la zone? Voilà, c'est ça là. Derrière là. Voilà. Non, ça c'est les coffres. Derrière.
Je suis toujours dans la zone. Ah ben voilà. Eh ben, hein. En fait, c'est du coup là qu'il faut les scanner. Ok, mais ça c'est fait. J'ai presque atteint mon million de crédits, 814 000. Quelle douce attention. Ok, ça c'est... Ok, on est bloqué. Voilà. Bloqué dans le décor, c'est bien. Les bêtes de guerre de Lokai Buslot, libérées des lames Nova. Vous avez toute notre gratitude. Qui êtes-vous? Est-ce que c'est ma... On a extrait cette cargaison de l'épave du garde-soleil. Un vrai traquenard. Bon, maintenant il y a la quête principale. Pourriez-vous
Pourriez-vous vous plaindre moins fort, maître? Il pourrait y avoir des pirates impitoyables ou des animaux sauvages. Bonjour, Lunos. Qui nous entendent, nous sentent. Je suis ravi que vous soyez encore là pour nous aider. On a besoin de tous les alliés qu'on peut trouver. Oh, la tête. Terron et Lana ont dit que vous aviez un plan. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'attaquer de front cette fois? On reste dans le vaisseau? Oh, merci, maître. Merci. Oh oui, s'il vous plaît. Il manque des textures, là. Que tout le monde sache que c'était l'œuvre des Drakkar Rouges. On doit sauver les apparences, après tout. Très bien, au travail. Et marquer les réserves d'armes. Oula. Eh bien alors, cool. Attends, c'est bien par là, non? Non. Et c'est pas derrière, c'est derrière normalement. Malin pour aller là. Ou alors c'est celui-là. Ou alors c'est celui-là. Bon, on va voir à quel level max je peux aller en privilège, en compte privilège et plus en abonné. Pirate solitaire. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est quoi ça? Je sais pas. Dans le doute, ça peut s'en appuyer dessus. Hein? C'est une des caisses à marquer? Marquer les réserves. Attends.
Attends, faut que je vois. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes caisses. Non. Pas vraiment les mêmes caisses. Lol, t'es sûr? T'as croisé tes circuits parce que j'étais à côté. Hein. On va signaler les mêmes caisses. Jacaro vient de nous envoyer une mise à jour. Je pense que ça devrait suffire pour occuper les Lames Nova quelque temps. J'ai appris qu'il y a un lieutenant des Lames Nova en charge ici. Un certain Donova. Essayez de le trouver. Il aura peut-être des informations utiles s'il accepte de parler. Planter les drapeaux. Voilà, planter les drapeaux, tu les plantes où le drapeau? C'est pas le. Viser les capitaines et canonniers des lames de voie pour placer un drapeau. Ok. C'est certaines personnes que je dois buter en fait. Je l'ai visé le canonnier. Je dois, ah voilà. Je dois le viser une fois mort. Thank you.
matin comme par hasard. Merde, ça va pas marcher parce que j'ai... Et trouver le lieutenant. Et plus par là. Ah là-haut. Toujours là, Lounos. C'est comme une zone de guerre, contre-amiral. On va tout perdre si on n'envoie pas par voie aérienne ce qu'il reste au camp des esclaves. On ne va pas reculer parce qu'un équipage de petits morveux pense pouvoir nous briser. Au travail, comportez-vous en lame Nova et tuez tous ceux qui nous posent problème. Mais, contre-amiral Margok. Allez dire au contre-amiral et au reste des lames Nova que maintenant le pouvoir est entre les mains des Drakkar Rouges. J'ai entendu parler de vous. Vous avez tué Goro, fichu la trouille à cette fouine de Zikon. J'ai écrasé une dizaine de concurrents pour obtenir ce poste. Je n'ai absolument pas peur de vous. Non, y a pas de loot. J'espérais qu'il tirerait sur quelqu'un d'autre. Ok. Utiliser Lolo machin. Lolo machin. Holo terminal. Théron, mission accomplie. Joli travail. Je pense qu'un dernier assaut sur le territoire des lames Nova devrait suffire pour consolider notre différent pirate et masquer notre véritable objectif. Une des lames a parlé d'un camp d'esclaves. Vous avez des informations à ce sujet? Oui. Vous vous souvenez que j'ai dit que les lames Nova dirigent pour ainsi dire tout ici? Pour l'essentiel, ils sont plutôt pour la non-intervention. Mais si quelqu'un se dresse contre eux ou ne paye pas le loyer, les lames l'envoient dans le camp d'esclaves. Les esclaves représentent une part importante du revenu des lames Nova,
à la fois grâce à leur travail dans les mines dangereuses et comme marchandises pour les esclavagistes des autres mondes. D'après nos informations, les esclaves sont parqués dans une île éloignée où ils sont sous bonne garde. Vous pensez que vous arriverez à les libérer ? Personne ne devrait être réduit en esclavage. Je m'en occupe. Puisqu'on ne connaît pas les coordonnées exactes de l'île, votre meilleure chance, c'est de vous cacher dans un des conteneurs de marchandises que les Lames Nova envoient là-bas. Lorsque vous aurez atteint le camp des esclaves, vous pourrez les prendre par surprise, franchir la sécurité et libérer le plus de personnes possible. Une journée ordinaire pour un noble Jedi, pas vrai ? Mmh. Sûrement si tu le dis. Ouais bon, on va faire toutes les quêtes, hein. Lol. Ah oui, je me disais aussi. Bon, attends, si c'est juste à côté. Kendru ne se contente pas de nous blesser. Il se renseigne sur nos familles, au cas où on voudrait se révolter. Je vais essayer de me régler ça. Ce n'est pas tant la cruauté qui me surprend que l'impunité dont profitent les esclavagistes un peu partout dans la galaxie. Et donc c'est malheureux. On va essayer. Personne n'a retrouvé les données de chantage de... Ah, attends, c'est... Par là, non, non. Vous quittez cette île. Ah, merci. On va se cacher quelque part en attendant que vous soyez prête à partir. Vous dérange pas que les esclaves partent partent plutôt. Voilà, attends. 1 sur 3. Le cauchemar est enfin terminé. Ça va bien. Si j'arrive à les... On vous revaudra ça. Vous de...
Ça me trigger toujours les trucs qui se libèrent juste devant eux. Ça réagit pas. J'aurais pu faire quand même les développeurs. Hein. Personne ne touche à mes amis. Ah oui, non, archéologie. Quelle douce attention. Ok, ça c'est fait. Aider les esclaves affaiblis. Et on va voir si on va passer sous surprise. Maintenant, c'est. Où est les données de. Calme pour l'instant. Ok,
baisser un peu les... Allez, ça c'est fait. Maintenant, on peut s'occuper. On va repartir sur la quête principale. Je trouve tout en bas. Est-ce que je peux me TP tout en bas? Il n'y a pas de point de TP par là? Tout en bas sur le ponton. J'ai l'impression qu'il y a un point de TP. Alors Kendru est mort. Si c'est le registre de nos familles, nous vous aiderons. Il n'y aura plus aucune hésitation à avoir. Merci. Jacaro, j'ai des passagers pour vous. Ici C2D4. On a vos coordonnées, on est en route. J'extrais de l'exonium pour les lames tous les jours depuis 2 ans. Tout ça pour rembourser les 3000 malheureux crédits que je leur devais. Et je ne suis pas le seul. Votre dette est le cadet des soucis des Lames Nova à l'heure qu'il est. Je veux bien vous croire. Même dans cet endroit, on entend des trucs. Au sujet de votre gang, de la manière dont vous compliquez la vie des Lames. On veut vous aider. Vous voulez travailler pour moi ? On est doué pour un tas de trucs. Je vais vous dire. Mettez-vous en contact avec un de mes amis de la Crique des Pillards. Arlo Rix. Allez voir Rix de temps en temps. Dites-lui ce que vous voulez qu'on fasse et on le fera. C'est aussi simple que ça. Quand vous rencontrerez Margok, saluez-le pour moi, d'accord ? Ok, ça c'est fait. Maintenant, on rejoint Theron. Avec quoi? Avec le vaisseau? Ah oui, c'est ça, la crique des pillards, d'accord.
J'ai de bons fournisseurs. Vous trouverez les meilleurs articles. Il va falloir acheter des trucs. Hein. N'hésitez pas à fouiller. De... Ah, c'est une journalière. Que je pourrais acheter pour un petit peu pour plus tard en fait. Là c'est que par on peut pas acheter avec de l'argent crédit du jeu. Allez, on voit le petit symbole, mais est-ce que ça veut dire? Là, il n'y a que le prix du cartel avec le cartel. Acheter. J'ai évacué les esclaves de l'île. On a entendu. La nouvelle de vos attaques circule vite. Même les Révanites ont entendu parler des grands dracars rouges. On vient juste d'intercepter cette transmission en provenance du quartier général des Lamnova. C'est ridicule! Comment voulez-vous que je remplisse ma part du marché si vous refusez de nous donner un coup de main quand des ennuis se présentent? Dans ce cas, on devrait peut-être se chercher d'autres alliés. Je suis sûr qu'il y a d'autres équipages sur cette planète capables de se débrouiller tout seuls. Hey, on a rempli notre part du marché! Vous vouliez qu'on attaque les voies de navigation, on l'a fait! Vous vouliez qu'on liquide les retardataires des grandes batailles, on l'a fait! Et votre maladresse nous a coûté nos alliés mandaloriens. Thor et son équipage de vieux fossiles, on est bien mieux sans eux. Et je commence à me dire qu'on serait bien mieux sans vous. Occupez-vous de vos problèmes, si vous voulez me prouver le contraire. Vous avez des informations au sujet des Mandaloriens dont ils ont parlé? J'ai entendu des gens en ville parler de Torche, mais je n'avais pas compris qu'elle était liée aux Lames ou aux Révanites. Elle pourrait nous être utile pour la suite. Et pour l'instant, je pense qu'on devrait profiter de notre avantage sur les Lames Nova. Je suis d'accord. Les Lames Nova ont installé leur base dans une vieille épave, celle de l'agresseur. Vous l'avez probablement aperçu au loin. Vous devez frapper fort, leur faire croire que notre but est de les exterminer. Pour que personne ne nous voie prendre leur noyau informatique pour obtenir des renseignements. À la minute où nous parlons, Jacaro est en train de faire le plein. Lorsque vous approcherez l'agresseur, vous pourrez utiliser votre marqueur de cible pour lui demander de l'aide, comme avant. Notre ennemi est acculé, mais il n'est pas sans ressources. Je vais y aller avec prudence et je vous contacterai quand j'aurai atteint l'agresseur. Que la force soit avec vous. Mmh.
Ouais, tout que je devrais stocker quelque part hein. Possible. Je suis presque 73. Presque. Bon, il y a des commerçants où tu peux rien acheter. Dommage qu'il n'y a pas un point de TP par là. Ah si, il y en a un là. Dépôt commercial des lames noires. D'ici. Ouais, mais par là. Oups. Bonjour toi. Par là, ou là, oh. Derrière moi. Ah bah ça y est, 73. Ah, normalement là, j'ai débloqué un nouveau truc. Un passif direct, il a pris là en haut. Le pas donc qu'on fait à la rapidité. Brodeur et vous pas pour. Pas donc bon. Ah oui, parce que j'utilise pas souvent. Voilà. Et là, j'ai quoi? Augmente mon sort de dégâts obligés. La frappe rotative avec ça. Là. Des lames Nova. Des pions. Mais je ne peux pas fermer les yeux sur ce que la cupidité les pousse à faire. Ça y est.
Je croise les circuits pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Les circuits pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Ok, attends, j'ai pas oublié de prendre ça là-haut. La tour là-haut. Que ça a déjà respawn, non? Il y en avait une troisième, non? Non, j'ai pas détruit. Ah non, c'est la première, celle-là. Ah, bah l'autre a déjà respawn. Que les lames. Et connecter les modules de décodage au panneau. Bien. Je
encore 4. Maintenant, connecter le panneau. Bon travail. Vous êtes complètement folle. Vous voulez vous en prendre à nous ici? Vous auriez dû continuer à ramasser les touristes de la bordure intérieure. Les dracars rouges n'existent pas, Margok. Je suis ici au sujet de vos amis, les Révanites. Vous en savez plus que je ne l'aurais cru. Mais vous ne prendrez pas notre place dans cette affaire, ni dans aucune autre. Je pensais pas qu'elle allait dire ça. Les Lamnovas ont fondé la crique des pillards. On était là bien avant vous, et on en repartira bien après vous. Bravo. Quelle bonne idée d'avoir gâché notre couverture. Heureusement pour vous, j'ai bloqué ces autres communications pour qu'ils ne puissent pas donner... Mais je pensais pas qu'elle allait dire ça, donc... Mais on dirait que les Lamnovas ont leur propre pirate. Je peux pas obtenir de vraies données. Je m'occuperai d'eux. Bonne chance. Ouais, je pensais pas qu'elle allait dire ça. Ça sert à rien de toute façon. On voit même pas sa tête, on voit même pas le couvre-chef de toute façon. Ouais, maintenant que vous avez accès à cet endroit, essayez d'ouvrir une ligne pour que je puisse pirater les données à distance. Moi ?
gaspille les capacités. Détruire les réserves. Les dispositifs de sécurité sont désactivés. Le problème, c'est que le réseau l'est aussi. Margot a dû tout couper manuellement. Je respawn trop vite. Ok, moi je pense que moi je vais faire une petite pause ici. Et à tout de suite. Thank you.
Alors, qu'est-ce qui nous attend derrière là? C'est mon vaisseau. Vous croyez que vous pouvez entrer et rester en vie? Quittez mon vaisseau! Jamais les lames Nova! Vous n'en avez plus pour longtemps! Vous n'en avez plus pour longtemps! Ça va, ça a été moins divisé que je pensais. De communication. Des centaines. Envoyés à des gens aux quatre coins de la galaxie. Coruscant, Tourmunkas, Corellia. Tous les noms sont codés, mais je peux les décoder. C'est juste une question de temps. Je m'y mets tout de suite. Beau travail. Vous devriez vous dépêcher d'entrer. Malgré ce qu'on a entendu, les Revanites pourraient arriver d'un moment à l'autre pour aider leurs alliés. Et puis, je pense qu'on a mérité le droit de faire un peu la fête. Je ne sais pas si les Jedi et les Sith célèbrent leur victoire de la même manière. Eh bien, vous serez aux premières loges pour le vérifier. Ok. Rejoindre. Ça devait être plus dur, moi. Je le dis. C'est bon de voir des clients. Vous avez besoin de quelque chose? Ouais, plutôt ça là, on peut pas aller. N'hésitez pas à fouiller. Attends. Essayer de prendre juste ce qu'il faut parce que là ça sert à rien, on a déjà plein de pognon. Ah, plein de pognon, plein de crédit. Bon retour parmi nous. On ne pensait pas que vous pourriez faire autant de choses en si peu de temps. Ah, oh, mais il y a un souci avec le visage quand même, franchement. La tête que t'as. Comme le wiki là. Oh, ils ont les deux. Je dois mes résultats à la patience et au conseil de la force. Il ne tient qu'à vous d'en faire de même. Je vais prendre votre tentative de conversion pour un compliment. J'avais aussi dit qu'on devait s'arrêter prendre des décorations en venant. Maintenant, cette fête est une catastrophe, et c'est autant notre faute que la leur. Eh, hey, le piratage des fichiers des lames Nova prend du temps. Mais j'ai déjà trouvé d'autres références à cette torche dont Margok et Revan parlaient. Elle dirige un groupe de Mandaloriens basé ici, sur Rishi. Ils étaient alliés avec les Revanites, mais ils se sont séparés. Et pas en bons termes. Si on arrive à trouver Torche et à la faire parler, elle pourra sûrement nous donner de bonnes informations. Et peut-être même nous aider à attaquer les Revanites.
On est encore sûr de rien. Mieux vaut être prudent quand il s'agit des Mandaloriens. Soit. Apparemment, Torch et son équipage contrôlent leur propre île, pas très loin d'ici. Vous croyez que vous pourriez y aller et voir ce qu'elle peut nous apprendre ? Je vous contacterai dès que j'aurai trouvé Torch. Informez-moi si vous trouvez d'autres informations dans les fichiers des Lames Nova. Très bien. Bonne chance. Barcentor, je suis heureuse de vous voir. Maître Bestros et Maître Nost Dural vous saluent. Votre perspicacité était très appréciée par le Conseil Jedi. Les débats du Conseil me manquent, grand maître. Mais hélas, ce n'est pas sur Titon qu'on a besoin de moi. J'ai entendu des rumeurs. Mais je ne peux pas garantir que ce canal soit sécurisé. Alors je préférerais que vous protégiez vos secrets. Contentez-vous d'écouter. Le Conseil Jedi ne doit pas se contenter de réagir aux crises. Nous devons veiller à l'avenir de l'Ordre et de la République. Ce que nous avons vu à la guerre, les vérités que nous avons apprises, ce sera notre cadeau aux générations futures. Et peu de Jedi ont vu ou appris plus de choses que vous. Notre connaissance des HK, des enfants de l'Empereur, ou encore la technique de protection qui a permis de vaincre Terak Moraj, nous pourrions tout perdre si nous ne prenons pas le soin de le préserver. Vous voulez que je fabrique un holocron ? Oui, une archive de votre histoire, de vos pensées. Un registre à remplir tout au long de votre vie, au fur et à mesure que vous grandirez, apprendrez et changerez. Comme vous l'avez dit, nous avons un devoir envers les générations futures, et j'en comprends parfaitement le besoin. Mais je n'ai pas eu l'occasion de m'en occuper. Comment me conseillez-vous de m'y prendre, Maître Satil ? J'ai accédé à la demande de Maître Kutrioa qui souhaitait vous rencontrer. C'est un prophète et un expert en conception des holocrons. Il souhaite vous aider à construire l'holocron. Il est venu sur Rishi, persuadé que c'était la volonté de la Force. Vous devriez être flatté. Où est-il ? Je vous envoie les coordonnées. Vous avez beaucoup à offrir à vos successeurs, et beaucoup à apprendre. Faites ce que vous avez à faire, et que la Force soit avec vous. Ça va, calme-toi. Ah, pourquoi c'est supérieur ? Par rapport à l'index de protection, de précision, c'est ça. Mais je perds tout l'index d'absorption de défense, de maîtrise, d'endurance par contre. Index de précision. Tout va bien. Bon, je perds un peu, mais je monte mon index. À la rigueur, je peux les vendre, mais d'autres trucs. Attends. Et ce serait pas la suite de quête de classe. Ah oui, c'est ça, c'est la suite de quête de classe. De la flamme de torche, est-ce que... On va bien voir... On bifurquerait pas pour voir le... la quête de classe. La quête de classe... C'est là. J'ai envie de faire voir la quête de classe. Non, que je... bon, il est sur Ruchi. Attends.
assez. Là, attends. Où c'est? Ah, Barcentor, savez-vous depuis combien de temps je vous cherche? J'espérais que nous pourrions régler ça sur Titon. Mais bon, quand la force insiste et me susurre, sois sur Richy dans 3 jours, tu verras pourquoi. Ma foi, je fais un petit effort, et vous voilà. Vous êtes maître Oa? Tout juste. Et je suis venu vous aider à fabriquer votre locron. On ne va pas laisser tomber Lara Cordan et sa nouvelle alliance du Rift. Oh, ou le premier néo-savant, Eshka, au siècle prochain. Il aura besoin de conseils avisés. Vous ne parlez pas au hasard. Vous avez eu de telles visions via la Force? C'est l'un de mes talents, qui ressemble parfois plus à une malédiction. Ces derniers temps, je vois surtout l'obscurité, des planètes mortes. Le futur peut dérailler de bien des façons. Mais si quelqu'un survit à cette guerre, ce quelqu'un aura besoin de votre locron. Prête à commencer? Que fait-on? Il y a certaines nuances. Ce n'est pas un simple message enregistré. Il s'agit d'un programme interactif, d'une image de votre esprit. Un holocron peut parler, poser des questions, penser même, mais il disposera du savoir et des souvenirs que vous lui donnerez. Sur Titon, j'ai suivi les enseignements holographiques de nos ancêtres. Sur Coruscant, j'ai récupéré les Noeticons qui contenaient les enregistrements de nombreux Jedi. Ah, les Noeticons. De superbes engins. Vous comprenez, donc. La première étape consiste à scanner votre cerveau. Pour ce faire, vous allez devoir atteindre un certain niveau de conscience. Sur Titon, on utiliserait une capsule de méditation pour atteindre Sushir. Le point de sérénité. Mais toutes les cultures ont des rituels similaires. Sur Richy, fais comme les Richy. Les Richy doivent entretenir des traditions afin d'atteindre des degrés supérieurs de conscience. Que savons-nous à ce sujet? J'ai fait des recherches. Il existe une bénédiction chamanique semblable à celle des Jawa sur Tatooine. Je vous guiderai. Commençons par cueillir des roseaux de Kishu. Je vous conseille de porter des gants. Autre chose? Le point Sushir requiert d'harmoniser son esprit avec la Force. Vous aurez des rêves, des visions du passé et de l'avenir. Laissez-les vous envahir. Je vous guiderai étape par étape, mais vous cheminerez seul. Nous aborderons la fabrication quand vous aurez terminé. D'accord. Chercher des roseaux. Un par là-bas.
Tu pouvais pas lui aller les chercher les roseaux. Zéro représente la vie et sa structure. Sentez leur solidité et en eux la force s'écouler. Inspirez la brise pendant que vous les cueillez. Sentez leur sève. Que cette tâche simple apaise votre esprit. Quand vous en aurez une brassée, passez à l'étape suivante. La purification du corps et de l'esprit. Baignez-vous dans les eaux de Rishi. Débarrassez-vous de vos soucis. Que rien ne vienne vous troubler. Ok, c'est pas là qu'il faut le faire. Peut-être là, dans l'eau, l'eau. Est-ce que c'est bon là ou pas? Bien que l'autre, il me dit plus loin. Hein. Non, c'est pas là. Laissez l'eau vous purger de tout. Il n'y a pas d'émotion. Il y a la paix. La main se referme. La régénérescence commence. Croiseur de la République en ligne de mire. Il existe un lieu sacré pour les Rishis. Rendez-vous sur place et allumez un feu avec les roseaux. Ah, attends, c'est où? En bas, en bas, en bas, en bas. Ah, fais chier, toi. Attention.
Attends, parce que pas par là en fait. Les roseaux forment la structure de la vie. Pendant qu'ils brûlent, leur fumée pénètre en vous. La structure et la forme se diffusent dans l'air, dans l'esprit invisible. Vos pensées atteignent la forme parfaite. Vous êtes la meilleure que j'ai connue, Jedi. Il n'y a pas de vie, il y a la force. Pour la République ! Vous avez atteint le point Sushir. Venez. Nous allons fabriquer votre holocron. Cantina machin. Attends, par là. Ah oui. C'est tout en même temps. Bar Centaur, l'équipement est prêt. Détendez-vous durant l'analyse cérébrale. La matrice cristalline se développe, mais elle doit puiser dans vos expériences et vos connaissances. Je vais vous poser des questions en suivant la force. L'holocron enregistrera vos réponses. Posez vos questions, Maître Oa. La République ne s'effondrera pas demain, mais dans une myriade de futurs, elle finit par s'effondrer. D'une façon ou d'une autre. Je vois un Jedi à moitié formé dans les forêts de Sarkhaie, là où votre apprenti a déposé votre holocron après votre mort. Le Jedi veut des armes pour combattre ceux qui ont provoqué la chute de la République. Elle veut se venger. Quelle réponse lui donnez-vous ? Je ne souhaite pas enseigner comment tuer. Je lui apprends comment guérir la galaxie et non faire couler le sang. C'est un chemin éprouvant, mais elle parvient jusqu'au bout. Elle transmet son savoir. Elle comprend que ses ennemis n'en sont pas. Autre possible, un Sith trouve votre holocron. Il vous hait. Un soldat sous vos ordres s'est sacrifié pour tuer le maître de son maître. Il veut percer le secret de votre puissance, suivre votre parcours sur le monde dévasté de Titon. Le guiderez-vous ? Non. S'il marche dans mes pas, voit ce que j'ai vu et apprend ce que j'ai appris, la galaxie n'aura rien à craindre de lui. Il voit ce que vous avez vu, mais il résiste. Il tue,
avant de retenir vos enseignements. Mais au final, sa planète d'origine se repent. Vous portez déjà bien des titres. Maître Jedi, Barcentor, Messagère. Vous pourriez en posséder d'autres. Sénéchal, Hiérophante de Jalshé, Félon de Balmora. Lequel choisissez-vous de laisser à la postérité? Comment se nommera votre locron? Je ne suis pas mes titres. Je suis une personne. Mon vrai nom suffira. Nous en avons fini. Votre locron est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le remplir tout au long de votre vie. J'ignore où se trouve votre prochain combat, mon ami. J'ignore si nous verrons la fin de l'année. Mais si je vous survis, je promets de protéger ce que nous avons fabriqué aujourd'hui. Votre aide est inestimable. C'est rassurant de savoir que quoi qu'il advienne, je laisserai un objet utile derrière moi. C'est un privilège de servir un membre du Conseil. Que la Force soit avec vous. Et avec vous. Ah, je pensais que ça allait être plus long. Ah, attends. Non, c'est pas bon celui-là, si. Ah, de la crête céleste. Attends. La force de la crête céleste, la force de la crique des pierres, ça change pas grand-chose en fait. Ouais, ça change pas grand-chose. On peut pas déconstruire? J'ai 1 million là, normalement, tout ce qui est au-dessus d'1 million, donc il est bloqué quelque part. Donc, ok, bon, ouais. Alors, où je vais? Que je pourrais acheter. Attends. Dommage hein, qu'il n'y a pas rien à acheter. Que des... Acheter que avec des telles. Je vois pas ce que je peux acheter. Décoration à la rigueur. De décoration. Je suis un peu limité en commentaire.
Mais non, là. You allura gara. Ah non, mais là, ça me coûte carrément rien. Turbol in Zadram. J'ai de bons fournisseurs. Vous trouverez les meilleurs articles. N'hésitez pas à fouiller. Vous voulez refaire votre déco ? Vous êtes au bon endroit. Rich. Revenez quand vous voulez. Si c'est à la mode, je l'ai. Revenez quand vous voulez. Macroscope. Dinaris du SIS, Maître Jedi, je m'adresse à vous avec l'espoir que votre sagesse et votre expérience pourront nous aider en cette période de crise. On est sur la piste d'un voyou qui s'apprête à s'attaquer aux intérêts de la République. Ça ne saurait tarder, et ce sera une catastrophe. Mmh. Dites-moi comment je peux aider le SIS, et je le ferai avec plaisir. Ça me touche beaucoup, venant d'un Jedi aussi estimé que vous. Je ne peux pas en dire plus, Parolo. Notre adversaire a des yeux et des oreilles partout. Et puis j'ai quelque chose dont vous aurez besoin. Un objet spécial. Venez me voir en personne, et faites vite. Bon, on verra plus tard. Moi j'ai pris la quête parce que ça c'est des quêtes. Ils sont de druides. Ils cherchent. Marché galactique, la dernière fois que je suis allé, il n'y avait rien du tout.
Ouf, 1 milliard. Ah ouais, quand même. Et là, ils sont fous. Je peux pas parce que... Perçu. Faut être pas mal quand même. Faut avoir tout l'armure aussi. En tout. Je reviens. De toute façon, je crois que j'ai pas encore le niveau pour ça. 1 milliard, il y en a qui sont tarés. 1 milliard. Ah, il a dû commencer à mettre, mais apparemment j'ai. Ouais, c'est. Faudrait. Attends. Faut pas faire au-dessus de 200. Ça pour. Non, il n'y a rien du tout. Armure, ah oui.
Ah oui. Homme. Ensemble d'armure de rebelles de Badland. Perçu. Ouais, non mais. Y a pas un truc genre métable. Ah ouais. J'ai le truc dans le dos qui me dérange. Ça pourrait être pas mal. Pas mal non plus. Ah, c'est quand même pas mal, hein. Quatre-vingt-dix mille. Armure corporelle d'un asile. Quoi, d'un asile? Pas pour la bure, mais elle m'a pas si mal pour le look. Ah, ça serait bien l'armure mais sans la capuche, c'est dommage. Allez, un tout de courrier pour récupérer. Par contre, ça je l'ai mis dans un... Ah, c'est bien mis, bon. Sur le partenaire. Ah non. Ouais, finalement, non.
vais faire ça hors stream. On verra bien à voir. Sur ce, je remercie les personnes qui sont passées en direct ou en replay et je vous donne rendez-vous au prochain live pour la suite de la flamme de torche. Merci à tous et à bientôt pour la suite. Pardon, au revoir. That's the way.